Yo tout le monde, c'est Kyrios. Allez, on reprend la suite de notre aventure sur XCOM Chimera Squad. Alors, l'objectif, on a mettre un terme aux enlèvements extraterrestres. Donc, découvrir une opération cachée dans le centre-ville. On a 6 tours ou 6 jours pour le faire. Là, ils vont avoir fini. Donc, dans un tour, ils ont fini. Eux, ils sont blessés, un peu blessés, mais je pense que je vais les switch avec eux. Comme ça, il y en a un qui va aller s'entraîner pour enlever les blessures. Il me faudrait pas mal, c'est un deuxième île. Comme ça, je pourrais switch entre les deux îles. Là, une situation permettant de découvrir le marché des pierres est disponible sur la carte. C'est lequel? Ah, c'est ça. Agent mal intentionné. C'est où que j'avais envoyé? C'était là. Ça, je peux l'améliorer pour gagner 100 revenus de plus. Ou là, je ne peux rien faire, donc il faut 120. Et là. Ce quartier est la cible d'une opération ennemie en cours, mais nous n'avons pas assez pour y mettre un terme. L'agitation y sera en hausse tant que leur opération sera terminée. Des missions de piste pour accéder à un ventre qui a ainsi découvert l'occasion d'intervenir plus tôt. Tiens, de toute façon, j'ai 80 de renseignements, je vais encore larguer quelques unités hein, de terrain. C'est le centre-ville. Qu'est-ce que je pourrais envoyer? Qu'est-ce que je peux envoyer? Est-ce que j'en envoie au centre-ville? Ou est-ce que j'en envoie ici? Pas ici, mais plutôt là ou là. Analyser la scène de crime. Je gagne 80 en crédit. Et là, je gagne 40 de machin. Et là, contacter le marché des machins. Ah bah, le marché des pierres est semblable au ravitaillement d'XCOM, mais propose des objets plus rares et plus puissants. Le marché n'est disponible qu'une seule journée après avoir accompli une mission avec une récompense de marché des pierres. Ok. Le Phénix Gris est impliqué dans une récente série d'enlèvements d'extraterrestres dans la cité 31. Découvrez pourquoi le Phénix Gris veut ces extraterrestres. Nous devons les ramener chez eux. Ok. Je pense que je vais envoyer lui. Agent mal intentionné. Non, là je vais. Là je peux rien faire. Je vais envoyer une équipe de terrain. Je vais envoyer une équipe de terrain. Bah, Riverside. À Riverside, je vais envoyer. Parce qu'il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Bah, je peux faire 3 de chaque. C'est simple, c'est 3 de chaque. Donc là on va envoyer une unité de terrain, je vais envoyer une unité de technologie. Ça, je gagne un peu de d'Elerium. Après, je vais faire un truc de renseignement, de crédit, etc., etc. Capacité de terrain quarantaine débloquée. Utilisez-la pour empêcher l'agitation d'augmenter dans un quartier ciblé. C'est ça.
Ah, c'est pas mal ça. Ah, requiert une équipe de terrain dans chaque quartier. Ouais, donc il faudrait que j'en fasse une dans chaque quartier. Là, ça va diminuer. Bloque l'agitation dans le quartier. Si ça bloque l'agitation, c'est bien. Dans le centre historique, si je peux le maintenir l'agitation là-dedans, ce serait pas mal. Et du coup, on avait dit quoi? Je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, si, je voulais envoyer une équipe. On avait dit contacter le marché noir. Envoyer le transport. Oui. Le centre-ville a augmenté de 1, mais normalement, j'ai fait un déblocage. Ah bah, viseur militaire. Virgile a terminé l'opération spéciale. Ok. Ok. Ah. J'ai plus d'infos sur les insurgés qui ont attaqué la mer. Juste après la guerre, la cité 31 a contacté les réseaux de résistance voisins pour l'aider à maintenir la paix. Les insurgés appartenaient à une cellule du réseau Shrike qui assurait la sécurité avant la création de la police locale. Ils sont partis quand le Conseil Global a autorisé les extraterrestres et les hybrides à s'intégrer à la société. Oh, ils supportaient pas de protéger ceux qu'ils avaient combattus pendant la guerre. On dirait bien. Depuis 2037, ils restent à l'extérieur de la ville et se racontent des histoires de guerre autour de leur point d'eau. On dirait qu'ils sont coincés. Peut-être. Quelque chose les a poussés à lancer cette attaque. Ouvrez bien l'œil. Ok. Qu'est-ce que tu feras quand tu prendras ta retraite? T'achèteras un bateau? Tu me demandes toujours ça. Et toi? Oh, je compte pas prendre ma retraite. Mais si, tu le feras. On ne peut pas faire ce boulot très longtemps. C'est usant. Non, c'est que... je connais les probabilités. Il me reste 5 ans au mieux avant qu'un tir perdu de plasma me grille les poumons. Alors pourquoi continuer? Parce que je suis bonne à rien quand j'arrête. Je comprends. Et mieux que tu crois. Ok. Alors... version spéciale terminée. Validé. 65 de renseignement. Ok. Augmenter de 1, d'accord. Assemblage terminé. On verra après. Un agent inactif, oui, d'accord. Nouveauté du ravitaillement. Ok. Bonjour, Escouade Chimère. Je suis propriétaire du Nid de Vipère. Un modeste établissement dans la frange. Comme vous devez le savoir, des technologies datant de l'époque d'Advent ressurgissent ponctuellement. La ville paie très bien pour les récupérer. J'ai donc engagé un réseau de pillards pour les retrouver. Oh, et j'entends aussi parfois parler de certaines opportunités intéressantes. Je n'hésiterai pas à vous recontacter. Ok. Ah, c'est du renseignement. Oh. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est juste la taille du chargeur, mais c'est pas grave. C'est le système de visée. Une cible touchée par cette amélioration reçoit l'effet visée holographique qui octroie un bonus de visée de plus 15 aux alliés tirant sur elle. Donc, ça veut dire que j'ai moins de chances de rater ma cible. Les tirs marquent la cible avec la visée holographique, ce qui améliore la visée des alliés contre elle de 15. Bah, je vais l'acheter tout de suite. Voilà. Ça c'est pas mal. Armurerie. Non. Ravitaillement. Alors, c'est bon l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai moi? D'accord, j'ai pas de medikit, j'ai rien du tout. Medik. «
changer un peu. Il y en a un qui va aller à l'entraînement. Ça sera. Attends, il était comment lui déjà? Comme ça c'est pas mal. Les opérations spéciales, qu'est-ce qu'on a? Plus 65 de renseignements. Là on va envoyer on va envoyer Axiom. Voilà. Du coup, on part. Virgile qui est là. Il y a Clémore. Assemblage. Priorité que 70 de machin et ça dure 8 tours. Alors on va faire comme ça, c'est fait. Allez hop, et du coup bah, on est parti. Alors ça, c'est des missions secondaires. Trouver des infos. Oh, difficile. Trouver des infos avec une baisse. Moins 2, et là c'est quoi, mission terminus. Attends, je vais peut-être faire un ravitaillement avant. Voilà. Et voilà. T'avais un planage renforcé, c'était un fusil d'assaut, fusil à pompe, mitraillette, pistolet, fusil d'assaut.
Ça, c'est pas mal. Allez, hop, hop, hop. Hop là, alors on part sur quoi? Bon, bah allez, on va partir sur cela. Si des forces hostiles se sentent submergées, elles peuvent tenter de sauver les meubles de manière spectaculaire. Elles essaieront de détruire des preuves ou de déclencher une bombe à votre approche. Dans tous les cas, arrêtez-les. Affrontement prévu. Ah. Ok. On est parti. Juste un affrontement pour éliminer tout le monde. En espérant que j'y arrive. Le Phénix Gris détruit des preuves de ses activités. Intervenez et récupérez ce que vous pouvez. Ok. Dégâts plus 3 pendant infiltration pour la première unité à entrer par ce point. D'accord. Bon, on va faire Shireb. Clémore. Virgile. Terminal. Restez derrière moi. Oh bah là il est direct. Normalement c'est un coup direct, parce que là il n'y a rien du tout. Voilà, j'ai fait un en moins. Lui il est là. Normalement un coup direct aussi. Voilà. Il est à l'abri partiel. T'as l'autre qui est là. T'as celui qui est là. Dégâts 62%. Bah, t'as un critique. Et toi, abri partiel. Agressif. Ouais. Wow, il y en a un qui a pris cher. Voilà les preuves. Ne les laissez pas effacer les données. Ok. Toi, viens ici. Tout ça, c'est des ennemis. Non, lui il est dead. Ah, ça me fait un gars en moins. Coupé. Toi. Tu peux aller là. Tu peux aller là, tu peux aller là. Hein. Alors tu lances une bombe à shrapnel. Ouais, mais non, mais moi j'ai un. J'en ai un ici. C'est un peu chiant parce que j'ai un civil qui est là. Si j'avais pas le civil, je l'aurais balancé la bombe ici. Hein. Je me serais pas fait chier. Mais vu que t'es là, tu vas aller là. Je vais changer de position. Bon, en fait, t'aurais pu rester là. Bah, c'est pas grave. Python qui est comme ça. Légionnaire. Couleur, Dominator, Python normalement c'est bon. Contrôle. Je vous ai claqué la porte au nez.
toi, viens ici. Tu vas me faire lui. Parce que, voilà. La couleuvre, elle est là. Bon, la couleuvre, va se faire one shot. Ah bah toi, vite fait. Chirube, préservation. Voilà. Ça va aller. Ça, bonne idée. Tranquille. Désolé, mais bon, toi la couleuvre. Adios amigos. Et comme ça, il nous reste plus que le Dominator et l'autre. Ok. C'est qui? Bah c'est Chirub. Ouais. Tire de l'arme. Voilà, normalement. Un bruit potentiel, peut-être, mais ça devrait le faire. Vu que j'ai l'autre. Allez. Toi, viens ici. Balance-moi ma petite grenade à shrapnel. Ah, annulé. Dommage. Tu restes en vigilance. Ici. Je cherche des cibles. Comme ça. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Opération nulle voile. Putain, c'est la première fois que j'arrive, mais avec une évaluation excellente. Par juste Chirub qui est blessé, mais tout le reste c'est nickel. Civil sauvé 1. Victime sauvé, ennemi tué 8, nombre de fondements, tu as effectué 2. Ok. Continuez. Bon bah voilà, ça a été rapide. Découverte de l'opération, plus 2 jours. Ok, agitation du quartier, moins 2, 35 crédits. Donc, quartier Frange a augmenté de 2, Raveil Sarn a réduit 2, Centre-Ville a augmenté de 2, et Island Square a augmenté de 4. Wesh. Ok. Ah, un qui a eu la promotion. Ok, qu'est-ce qu'il a lui? Virgile élève un ennemi dans les airs, lui faisant perdre ses bonus de couverture pendant l'infiltration. La lévitation annule les comportements agressifs ou en alerte. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, alors. Ouais, bah ça c'était ça. Et enquête. Enquête, on n'a rien d'autre. Ok, bon, on est reparti. Ah, Over Square. Alors. Incendie dans un entrepôt. Ouais. 50 de renseignements. 80 de crédits. Je vais quand même prendre 50 de renseignements, ça me permet d'envoyer une équipe. Mais j'ai dit, ce qu'il faut, c'est que j'envoie toutes mes équipes un peu partout, là. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et, vu qu'il y a, faut faire 3. 3 de chaque. Donc on va aller là directement, comme ça je pourrai envoyer une autre équipe. Oui. Centre-ville recompté de 3. Ok, donc il y en a une qui a terminé son entraînement. Entraînement terminé. Validé. Ok. Centre-ville. Ok, alors. Alors, j'ai 80 de renseignements.
Là, j'ai quoi? J'ai technologie. On va envoyer une équipe ici. Attends, couvre-feu. Grenade électrique, agitation du quartier moins 2 et 30 de renseignement. Et là. Donc j'ai le choix entre les deux là. Là, ça va faire du mal, là aussi. Déjà, on va mettre une équipe de sécurité. Améliorer 95. Ouais, mais je peux pas. Voilà. Faut que je fasse ça en fait. Faut que j'envoie des unités de terrain un peu partout. Comme ça, là, j'ai deux de sécurité, deux de technologique. Il faudra que j'ai encore deux autres de. En fait, il faut que j'en ai trois de chaque. C'est là en fait. C'est niveau 3 qui est pas mal. C'est ce qui permet de réduire l'agitation. Ça c'est pas mal. Et les autres c'est. D'accord. Alors. Bon, j'ai le choix entre les deux là. Attends. Vu que l'autre elle a fini, on va voir si on peut pas switcher. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Axiom et puis mettre Claymore. Comme ça Axiom il va ici. Ou alors mettre Godmother ailleurs. Mettre en attendant l'assemblage. Ah bah ça diminue de 3. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça ira beaucoup plus vite. Et du coup, je vais garder mon équipe qui est là, qui est quand même pas mal. Hein. Et dès qu'Axiom sera fini, je pense que je vais envoyer quelqu'un à l'entraînement. C'est Cherub, je pense. Cherub, il est bien. À moins que j'ai quelqu'un d'autre entre temps, que j'arrive à choper. Mais bon. Alors, bah du coup on va partir hein, tout de suite la mission. On va en refaire une deuxième, hein, on va pas. Alors. Là j'ai grenade électrique et là c'est 40 en machin. Un marchand d'armes. Bah, on va prendre Bruce. Avec un peu de chance, nous pourrons atteindre un VIP en danger avant l'arrivée des forces hostiles. Votre objectif est d'extraire le VIP avant que les forces hostiles n'occupent la position. Rejoignez la zone d'évacuation et partez. Affrontement prévu. Traite. Ok. On est parti. On va faire la mission là vite fait. Puis on va arrêter là. J'espère que je vais la terminer. Je suppose qu'il faudra rejoindre vite fait son. VIP allié récupéré. Ennemi en approche. Rejoignez la zone d'évacuation. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a mon véhicule qui est là, donc du coup, il va falloir que j'aille là jusque avancer en même temps que. D'accord. Bah, Cherub, on va mettre. On va mettre Claymore en deuxième. Et on va mettre Virgile. Et après, on va mettre. Et bah, terminal. Restez derrière moi. Alors, cool. Ok.
Et je parie qu'il va falloir que je le fasse ça rapidement, sinon il y aura des renforts qui vont arriver. Ça, c'était sûr. 78, 58, ils sont comment les autres? Dans la couleur, voie directe. Dominator direct. Moi, tu vas faire l'éviter. Dios amigos. Regagnez la zone d'évacuation. Ok. C'est Virgile. Alors, Virgile. Tu vas aller ici. Tu es la tortue. Toi, t'es là. Va ici. C'est notre VIP. Hop. Reste à position défensive. Dominator, il est là. Ah, étourdi. Ah, il fait chier. Ah, il fait chier celui-là. Eh. Hey. Je vais traverser. Un petit médic, parce que là, quand même. On va pas. Et. Soldat, il est comme ça. Légionnaire. Dominator, il est comme en couverture complète. Un brief partiel. Normalement, il est génial, tu devrais le tuer. J'espère. Oui. Tu auras un gage, il faut le tuer. Et en même temps, on avance. Tu auras un gage, je sais pas ce qu'il fait. Oula, il y a un bug. Ouh, il a raté son tir. Comment tu vas faire toi? Si tu vas là, tu vas te faire tirer par là. Comment puis partiel. Dominator, tu pourrais peut-être l'avoir, mais j'ai pas envie de. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Commencer. Je vous couvre. Je veux pas. Toi, le gros. Fous-toi ici. Non, pas toi ici. Faut que j'arrive à la faire avancer. Thank you.
Apparemment, il est là. Waouh, il s'est passé quoi? Faut que je tue le Dominator là. Ah, c'est ça qui a pété. D'accord. Alors, il faut que je tue le Dominator. J'ai pas tiré sur qui est mort. Normalement ça devrait être bon. Cible acquise. Raté. Ah, c'est un peu chiant là, c'est chiant. Tu bouges ici. Clémore, tu bouges ici. Tout est calme, partez. Là on a qui? Là on a toi. Et toi tu vas aller sprinter directement ici. Allez, allez mon gros, cours. Il te reste plus grand chose pour aller là. En même temps j'ai le Dominator qui est juste là. Il est étourdi. Bon, le Dominator il faut que je le tue là. Parce qu'il commence un petit peu à me... En même temps j'ai que les morts qui est là, donc c'est bien. Oh, Jim qui s'est pris... D'accord. Je bouge. Ah mais nous, c'est... Ah ouais. Tu me facilites pas la tâche. Il faut que je tue ce Dominator là. Il commence un peu à m'énerver là. Voilà, bouge-le. Comme ça on est bon. Clémore qui est plus au contrôle mental. Clémore qui peut aller stabiliser lui. Mort qui peut tuer un gage. Je vois pas si je peux le toucher ou pas. Le soldat qui est là. C'était sûr. Raté. C'est bien, il rate son tir. Allez, tu as un gage, ciao. Voilà, maintenant, on se dépêche. Viens ici. Même jusque là. Tu vas aller jusque là. Des renforts qui arrivent, ça c'est pas grave. Merde. Mais non. Mes munitions filent vite. Ici. Eh, dis-moi que tu peux le tuer ou j'en sais rien. Oui. Je suis en route. Allez, on est où là? Ah, c'est bon. Vas-y. Casse-toi de là. Comme ça, tu meurs pas. Évacuation. Évacuation. J'y vais. Je verrouille la cible. Ça va, tu respires encore. Vigile. Qui est blessé, ça c'est pas grave. Je vais juste stabiliser
lui. Et je peux rien faire là. Là je peux aller là. Ah, je sais même pas par où aller en fait. On va aller là. Bah elle se prend tout je crois. Voilà, petit tic. Alors si j'arrive à passer. Non. Je vais là-bas. Bien, c'est que j'ai pas accès. Je sais pas par où passer moi. Je vais mettre là. Je me rapproche. Ah, ça va être chiant. Bah, il a raté son tir. C'est bien. Extermination. Bon, bah voilà. Cible engagée. Il a raté son tir. Je crois que j'ai perdu un civil. Je vais là où je dois être. Oblitération. Allez, dis-moi que tu peux aller. J'entre en action. Bon. Je pense que, hein. J'ai perdu un civil. Victime. Ouais. Correct. Ouais, bah oui, bah c'est... Hein. Celui-là était un peu plus compliqué. Centre-ville à compter les 4. Oh, vache. Ok. Le Phénix Gris enlève des spécialistes extraterrestres. Ingénieurs, scientifiques et techniciens. Mettez fin à ces enlèvements, afin que ces gens puissent retrouver leur famille. Ok. Opération spéciale terminée. Ok. Évolution, d'accord. Promotion. Ah. Alors, lui il a quoi ? Agent de terrain, donc production de particules visée plus 5 et chance de coup critique plus 10 pour vigile pour chaque ennemi dans le réseau neuronal. Hop là. Les ennemis du réseau neuronal perdent connaissance plutôt que d'être tués. L'autre c'est quoi? C'est visée plus 5 et chance critique plus 10. Ça c'est pas mal ça. Mais c'était toi. Charge assourdissante. Télémorphe fait exploser une charge puissante qui engendre une rupture chez tous les ennemis proches du point d'infiltration. Une seule utilisation par mission peut être utilisée sur un point d'infiltration mural. Oh, ça c'est pas mal ça. Claire de bon. Cicatrice de l'agent. Ah oui, c'est vrai. Chance de coup critique. D'accord. C'était égal à qui l'autre? Agent inactif, c'était lui. Alors. Qui va aller faire un petit tour un peu à l'infirmerie? Je vais juste voir comment c'est là. Très difficile.
Oh la vache. Alors. Là, je peux encore envoyer une unité. Je peux encore envoyer une unité de terrain. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Riverside. Voilà la frange. Là, j'ai combien? Là, j'ai 2 de sécurité, 2 technologiques et il me manque une de finance. Si je devais les améliorer, c'était combien? 95. Là, c'est combien? 65. Ah, on va mettre une de finance ici. Parce que je crois que c'est ça qui me manque. Technologique, j'en ai une. 2. Finance, j'en ai une. Et sécurité, j'en ai 2. Donc on a dit une de finance. Ça va, c'est pas trop cher. Voilà, ça c'est fait. Là, une opération spéciale. Il y a l'entraînement. Vigile, tu vas aller à l'entraînement. C'est la chance de coup critique. Opération spéciale, ce sera... Ça j'ai fait, et ça c'était pour avoir du délirium, mais pour le moment... essayer de gagner 65 de renseignements aussi. On va ramener à envoyer avec les morts. Du coup, on remet Axiom et on remet Godmother. Voilà. Du coup, on est bon. Et du coup, je pense que. Voilà. Centre-ville. C'est 80. Ok, bon bah on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, moi je vous dis... Ciao ciao à tous et à la prochaine.